de notre côté, donc... Ok, bah c'est parti, vas-y. Hop là, les invités. Hop là. Len versus Liquefact. Alright, en avant les amis. Du coup, on va avoir. Len, du coup, c'est ça? C'est ça. Ok, et il invitera la personne en face de lui? Oui. Ok, qui est en haut dans le bracket? Len. Yes. Et en face, le nom, tu m'as dit? Yui, mais ce n'est pas son pseudo in-game. Oh, sinon, mais Yui, ce sera plus simple pour le bracket, c'est pour ceux qui doivent relire. Ok, comment t'écris? Y-O-U-2-I. Yui! Ok. Si Len perd, je me coupe une couille. Ah ouais, carrément, putain. C'est violent quand même. Ça doit faire mal. Yo, teenager. K-Stream, t'es sérieux d'écrire braguette comme braguette? Ok, donc ça, c'est bon. J'ai invité Len, il me semble. Va falloir la map, ouais, bien évidemment. Sauf qu'il est en train de me dire qu'il n'arrive pas à te rejoindre. Ah, bah c'est embêtant, ça, dites donc. C'est rare pourtant que ça bug sur Ubisoft Connect. Non, des bugs, des problèmes. Non, ça n'existe pas. C'est dans la tête. Quel âge déjà, Len? Je rejoindrai en vocal, je reviens. Je sais pas, il doit avoir 14 maintenant. 15. Oh, plus que ça, non? Non, 15 ans? Il a quel âge? Allez, les amis, vous me demandez à moi, je connais pas l'âge de mes parents. Hein, je connais pas l'âge de mes neveux. Donc, moi, les dates d'anniversaire, je suis nul à chier. Il a moins de 15 ans. Il a moins de 15, Len. Il a 14, ouais. Ouais, merci, Vibes. Du coup, moins de 15. Je sais pas quand est-ce qu'il est né. Il avait quel âge quand j'ai commencé Rainbow Six en 2015? Quelqu'un peut faire le calcul? Je ne peux plus réfléchir. Ça va vite quand même la vie. Plus de 10 ans. Plus 6 ans. 4 ou 5. 6 ans. Vous savez pas compter en fait. Ok, bon bah je vais ouvrir ma calculatrice. Vas-y, sur Uber Eats, l'après-midi, il y a que des trucs de gros quoi. Je suis désolé, mais il y a que des trucs de caca. Ah non, il y a Walk to Walk. Bougez pas, j'ai pas mangé les amis. Je n'ai pas mangé, ok. J'arrive. Je suis à vous dans... Pas de taille, bien évidemment, parce que je mange que ça, de toute façon. Attendez, c'est quoi Poulet Katsu? C'est pas une streameuse? Poulet normal, ça ira. Une bière? Non, pas de bière, je bois pas d'alcool. Ok. Que des trucs de quoi? Répète, Six. Ça va partir en couille. Des trucs de gros. Moi j'ai le droit, tu sais. Selon les règles, quand tu fais partie d'une minorité et que tu as fait partie d'une minorité, t'as le droit de te moquer. Bon, moi j'étais gros quand j'étais plus jeune. Je faisais 102 kilos. J'étais bien. J'avais 4 ans. Merci SkyTinly pour les 47 mois de frais de scolarité offerts. 40. Ah, mon cerveau. Merci SkyTinly pour le raid de 47 personnes. Je suis désolé. Non, vraiment, je manque de sucre. Merci, bienvenue les amis, bienvenue. Et qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, Sky, ou quoi? T'as un monstre, poulet. Donc ils vont jouer sur maison. Oui, vas-y. Et Len en défense. Vas-y. Et quoi? Len en défense, ok, Len est invité. 2 secondes, je commande à manger. Bam, zbra. Attends, il y a un... Merde. Il y a un truc, buy one, get one free. Non? Quoi? Il a pas invité son pote? Je sais pas, je m'en fous en fait. On va avoir peut-être le feedback de la part de Ranker par rapport à sa défaite contre l'IKEFAC.
Allez, dépêche-toi là de mettre la machine. Il sort toujours d'une game de stream hacker FR. Je te confirme, le prochain match qu'on regardera, ce sera Likefak contre Kaneki. Oh, nice. Ah, on est d'accord que de toute façon, road to... Le seul road to dans Rainbow Six, c'est le road to dépression quand même. Celui-là, on est sûr. Tous les streamers... Ah, celui-là, il est rapide et sûr. Ouais, celui-là, ça... Tu fais un road to quoi? Road to dépression, de toute façon, là. Ah, j'ai fait un sub-goal Xanax. Ok, alors attendez, bougez pas, tac. C'est bon, c'est commandé. Et ensuite, je peux l'écouter en live. Parce que ça se trouve, il a dit ouais, de toute façon, Likefak. Yo yo yo, bonjour Len, merci de payer tes droits de scolarité. Merci pour les 16 mois. Yo, yo. T'as quel âge, Len? 14? Merci la godasse. Merci pour le host. Et merci Sky Tienly, vous êtes des monstres, les amis. Et je suis désolé, Sky. Vraiment. J'aimerais bien que tu gagnes. Merci d'avoir participé, les amis, vraiment. Surtout les VIP, je sais que vous êtes... T'es né quand? C'est quoi ta date de naissance? Et tu peux inviter la personne qui est en face, Len? Vu que tu es sur le chat. 19 mai. Ouais, mais de quelle année? Je peux pas compter, Len. Il relance son jeu. Ok. Tu as vu, je savais, j'étais trop chaud en âge. Bravo, Vibes. 2008. T'es né en 2008. Là, et 2008, c'était genre avant-hier. Le 19 mai. Waouh, attends, faut que je le note dans mon agenda. Anniversaire de Len. Ah, il arrive. Anniversaire Len. Bam. All day. Bam. Repeat. Every year. Forever. Voilà, c'est fait. Save. Deux petites secondes, les amis. On va avoir un feedback. Ranker face à Likefak. De toute façon, c'est un fils de pute. Non, je déconne, j'ai pas appuyé. Oui, j'ai juste compris. Je me suis dit bon. Oula, attendez, parce que moi j'écoute mes messages en x2 parce que j'ai pas le temps. Tout a commencé au moment où j'ai vu juste contre lui. Je me suis dit bon, je le connais, c'est un peu un rat, ça va être dur. Moi, je suis trop nul en 1v1. Je me suis dit bon, ben l'aventure elle risque de s'arrêter ici. Et la preuve, hein, c'est j'ai joué, je comprenais rien. Moi, je suis trop habitué à bouger, à pique, j'ai des verres au cul. Lui, il était tout calme, il bougeait pas. J'étais tout le temps perdu dans la map. Je suis juste trop nul en AV1. Lui, il est trop fort. J'ai rien pu faire. Il est bourré? Enfin, je pense que si je rejouerais le AV1 maintenant, et je pourrais mettre plus de runes. Je dis pas que je gagnerais, mais c'est sûr que je mettrais plus de runes. Parce que bah, j'ai juste compris maintenant, après le match... Enfin, j'ai compris au milieu du match comment jouer le 1v1, mais j'ai pas du trop de rounds. Enfin, je me suis rendu compte au moment où il avait mis ses rounds. Du coup, je me suis dit, tant pis, go tenter des trucs, essayer de créer du contenu pour le live. Et voilà, hein. On reviendra plus fort au prochain Sentier Duels. Moi, je vous laisse parce que moi, je suis en ranked. Au prochain Il est totalement bourré. Mais mec, t'es totalement bourré. Hein. C'est chaud, un rancœur. Oh là là. Ok. Merci Clémentes, nouvel étudiant du campus. Un monstre. Et encore merci de la godasse. Et bienvenue à tous tes viewers. Et Sky Tienly, pareil, vous êtes des monstres. 6-4, je commence en attaque. Ouais, pense à l'échanger de side. Ouais, oui. Ça marche. Et du coup, la map? Maison. Ok. Normalement, on est bon, les amis. Est-ce qu'on est bon, les amis? Rien de plus, donc tu peux lancer.
Vous allez me répondre, bande de petits salauds. Ah, plus tard, Arta. Oui. Dis-nous tout. Bah, je voulais entendre le son de vos voix. Astro, tu parles pas ? Mon micro marche pas in-game. R6 bug mic, moi aussi. Pff, j'y crois zéro. Allez ! Ouais. Have fun. J'y crois zéro, Astro. Il y aura un moment où va falloir que j'aille chercher ma bouffe. Et puis il va falloir que je me nourrisse en live. Pourquoi j'ai pris des pâtes? Je vais en foutre partout. Il a fini son road to depression. Qui ça, Sky? En vrai, Ying, c'est quand même l'opérateur 1v1. Voilà. Len, putain, mais Len me donne confiance en la jeunesse et en l'humanité. Je ne déconne pas du tout. Je vous jure, j'ai aucune confiance en la jeunesse. Je pense que vous êtes tous débiles. Et il est là. C'est le seul des Salty Duel qui a lu le truc et qui a mis la caméra comme on le demandait. Le seul. On a fait un truc et tout. On a fait un des rules avec des petites photos, des petites images et tout. T'sais. Pour leur dire, surtout, mettez pas la caméra comme ça. Mettez une petite caméra de 3/4 là. De côté, quoi. Ils s'en foutent. Faux. R6 Forever l'a fait. Ouais, mais je l'ai pas vu, moi. Allez, en avant. Len face à Yuri. Bah, Astro, du coup. Ouais, on aura du... Moi, je dis Len gagne. Len game, les amis. Il va sortir. Il sait qu'on prend les infos, vu la décale, il entend. Et on va aller chercher. Trop facile pour Len. Non, dit-il. Parfait. Il est trop fort. On va repartir avec lui à la Louva. Dommage que la Gamer Assembly ne veuille pas accepter des jeunes... Et ne veulent pas capitaliser sur la jeunesse. Mais bon. Len, il y a juste à devenir insolent et ça deviendra l'un des joueurs les plus drôles et forts de sa génération. Non, pas insolent. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça de l'insolence dans la communauté Rainbow Six francophone, ok? Il n'y a que ça. Ok. Soyez humble. Exactement. Soyez humble. Soyez modeste. Soyez comme moi. Soyez respectueux, bande de fils de pute. Allez.
fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est ça. C'était chaud, Oli, hein. À vous, t'as hésité à faire un alt tab sur Google. Si oui, gang, je me prime. Bon, merci les mecs. Bon, super. Il perd 1-0. Il a aucune chance face à El Craquito. Putain, vous êtes des radins, franchement. Après, vous voulez que j'organise des trucs et tout. Après, vous avez filé vos primes à Kameto, les mecs. Il va vous organiser des tournois sur Minecraft. Minecraft. Respectez-vous. Faut les filer à KRL et à moi. Oui. Respecte Minecraft par contre. Mais je l'encule Minecraft moi mec. On parle e-sport là. Ou quoi? Allez. Ouh. Et ça proc. Oh attention, attention à la décale. Oh là 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 là. Mais il dit non. Trop facile, trop facile. Trop facile pour Lenny. Et ça fait 2 Z. Minecraft, jeu le plus vendu pour rappel. Oui. Oui, d'accord, ok, mais... McDonald's, c'est le resto le plus connu. Ça n'empêche pas que tu bouffes de la merde. Hein? Il n'y a aucun... Ah, il n'y a aucun rapport entre la quantité vendue. Hein? Et le fait qu'un truc soit bien ou pas. Je te rappelle que l'une des émissions les plus regardées, c'était PMP. Et l'un des chanteurs qu'on écoute le plus, c'est Jules. Donc bon... S'il y avait un lien de corrélation, si je puis me permettre, entre quantité et qualité, ça se saurait depuis le temps, quand même. Hein. Oh! Oh! L'erreur! Quelle ligne horrible qui existe depuis décembre 2015. Cette ligne horrible. L'erreur. Ouais, et qu'il prend la Ouais. 8 ans qu'on la connaît, j'avoue, cette ligne. Cette ligne horrible. À l'époque où tu mettais un Blackbird sur cette ligne. Bon, quand Blackbird est sorti très vite, les gens jouaient plus House quand même. Mais elle a été jouée en Pro League jusqu'à... jusqu'à juin 2016. Merci Xara, nouvel étudiant du campus. Ouais. Ah, je pense qu'elle s'est arrêtée. Elle a arrêté d'être en Pro League pendant que nous on y était. Juste après qu'on ait gagné. Je pense. Il me semble. Parce qu'en en PL3, je m'en souviens pas. Mais si, ouais, mais il y avait quand même Blackbird du coup. Ah, tu prenais Blackbird, c'était fini. Ah bah c'est bon, bah je peux plus aller de l'autre côté de la map maintenant. Bah non, je suis désolé. Ah, c'était ça. Glaze avec cette ligne. Ah, et Glaze, c'était incroyable. Glaze. Le pire sur Glaze, c'était l'ancien Air Ford. Qu'est-ce qui était relou là? Oh là là. Quand tu te mettais, tu tirais dans les petites lignes, là. Au-dessus du mur renforcé, là. Au niveau de la trench d'Air Ford, l'ancienne. Dégueulasse. Hein. Allez. Il a travaillé le petit laine, c'est bien. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? On joue sur la vertu. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. On a un peu peur du shotgun, visiblement. Ou on n'a pas les informations, du coup on essaie de prendre des contacts visuels.
Derrière, il n'y a pas vraiment besoin de se donner. Astro, il va... Ça va jouer sur son placement. Va falloir casser la range. Bon, il y a toujours la SMG11, de toute façon. Derrière, c'est un snipe, le truc. Merci, Guapos, pour les 2 mois de scolarité. T'es un monstre. Astro. Eh, c'est la première fois qu'on voit Smoke, non? Allez, on rotate pour lane. Ou on va jouer sur les trous de la verticalité. Je vois pas pourquoi le rotate au final. Et derrière, on va se faire accueillir au shotgun. What the fuck? Énormément de dégâts pris par Astro. Il est one bullet là. Il le sait. Ah, oh, trop facile pour Len. Trop facile. Trop facile pour le jeune Lenny. 3 à 1. Merde. Je suis cassé la gueule. J'ai loupé l'accoudoir. Je suis totalement bourré. Eh, en revanche, si ma bouffe arrive en plein milieu de la game, merde, j'ai pas pensé à ça. Va falloir que je descende en revanche. Il y a Ahmed qui... Qui purphone nearby. On y est proche ou quoi? Ah non, il a pas encore récupéré la bouffe. J'espère qu'on aura terminé. Allez, Len sur Oryx, qui doit être l'opérateur en défense qu'on a le plus vu aujourd'hui. Amaru 2 ou 3ème fois déjà aussi. On comprend facilement pourquoi. On prend les infos, bam, et on push sur le site, surtout quand il est au top, comme c'est le cas maintenant. Attention à ne pas s'annoncer, autrement on perd l'effet de surprise. Mais là, il n'y aura pas de vitre. Il n'y a pas de vitre sur ce BP. Est-ce qu'il va... Attention, Len. Il a un peu peur. Il a pas envie de se donner sur le pigeonnier là-bas. Et on prend les infos avec ce trou de drone dont je ne connaissais pas l'existence. Alors, on en a fait des duels sur House quand même. Allez, on prend l'info. L'info, elle est prise des deux côtés. En revanche... Bien joué de la part de Len. Len qui va aller jouer. Len qui va arriver par derrière. On n'a pas les infos. Si, on a l'info. On a l'info. On sait qu'il est derrière. On balance une flash. Et derrière, on est hyper intelligent de la part d'Astro. Et en plus, pick advantage. Décale sur une ligne à 90 degrés. Zbalam. Je te vois. Toi, tu me vois pas. Enfin, tu me verras dans 10 minutes. Easy peasy. 3 à 2 pour Len. On remonte du côté de You. Du côté d'Astro. C'est un Y ou un I à la fin de l'N? Y. Comme Kravitz. Comme Lenny Kravitz. C'est pas un... Qui est-ce qu'il y a Lenny qui s'écrit avec un I? Ça n'existe pas Lenny avec un I. Avec un D à la limite. Le nid. Il y a le nid, si ça existe. Non mais ça existe pas. C'est encore un truc ça. Ça c'est encore un truc de maman. Alors on l'appelait Lenny mais L-E-N-I. H-S. L-E-N-I-H-S. Ouais, parce qu'on voulait faire quelque chose d'origine. Ah, ah, ah. Il y a bien les Benjamins. Oh non, mais niquez-vous. Niquez-vous avec ce truc-là. Ça, c'est... Il s'appelle Enzo. H-A-N-S-Z-O-T. Non, le
ne se prononce pas. Ça m'énerve. Avec un tréma sur le i. Je m'appelle Lénis. HS. Mon enfant s'appellera Sébastien underscore R6. Allez. Désolé, je suis pour laine. C'est quoi le clavier de laine ? Un clim. Il a pris une patate ? Len a 20 ans, il est aveugle avec toutes ses couleurs. Mais arrêtez ça là ! Oh, la petite ligne, elle est sympa parce qu'on l'a pas avec la bombe ça. On l'a qu'en sécurisation de zone. En revanche, le fait de se pencher de ce côté-là, c'est un peu... ça laisse à désirer. Oh, oh là 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 là, l'amorti de la poitrine ! Oh là 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 là, il est trop fort. Il est trop fort, il est trop fort. Len soulèvera le trophée du Six Invitational. En 2000... Nom de Dieu, j'aurais 50 ans. Le jeu sera mort avant. Mais dans 10 ans, le jeu, il est là, les mecs. Dans 10 ans, le jeu, il est toujours là. Et vous reviendrez tous les ans en disant... Ça fait longtemps que j'ai pas joué, Tika. J'ai fait une pause de 2 ans. T'aurais pas des conseils ? Voilà ce que vous ferez. Je pense pas. Pense P-E-N-C-E ? Putain, Emo, c'est chaud, franchement. Emo, pense quand même. Emo, t'as 56 ans. Pense. Quand même. Emo. S'il te plaît, aide-nous quand même. Pense. Il est allé chercher sur Google, il a mis 10 minutes. Tiens, en parlant de 10 minutes, il me faut 12... Eh, Ahmed, il arrive dans 12 minutes là. Avec mon pas de taille. Petite décale C4, into, je switch sur la SMG. Là, je la balance. Ça proc 0. Attention au son. On sait qu'il y a un sledge ou un toucher en face. Trop simple. Trop simple. Len, il joue avec sa proie. Ah, il joue avec sa proie. Il en fait ce qu'il veut. Il danse. L'intelligence. Oh là 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 là, ça passe pas loin. Oh là 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 là, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et vas-y que je te... Ah ouais, les fautes de frappe, ça existe. Non, 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 Emo. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas une faute de frappe, ça. Non, Emo. Non. Non, ça, c'est la finition, Emo. Hein? Non, 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 non. 5 à 2 en tout cas pour Len. L'élève a dépassé le maître. Bah ouais, depuis longtemps les mecs. Ah, depuis longtemps.
Oh non, 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 non. Oh, et derrière. Jamais je me serais barré par cette porte. Allez, Hélène, on va rota ou pas. On va venir prendre les infos. Savoir si elle est toujours là. Fait échec. Petite ligne. Il y a personne. Dans 5 secondes, on va sortir le drone. Voilà, c'est normal. Il y a personne. On prend l'info. On aurait pu prendre l'info tout de suite à droite quand même, au cas où, mais visiblement, on s'emballait. On sait qu'il est là-bas. On l'entend tirer. Et on entend peut-être vers la master qu'il y a quelque chose là-bas. Enfin, la master, la kids plutôt. Et on va décider de full rota. Et toujours dans une volonté de jouer la verticalité. Avec cette grenade totalement ratée. Et n'oubliez pas les amis, Youngtis cherche un cinquième en ce moment. Un cinquième majeur. Autrement on aurait pris l'end forcément. Majeur disponible, motivé. Et disponible surtout du 26 au 2. Pour partir tout frais payé. Oui. Qui est parti? Personne. Personne, personne. Le Unitis Royal, ça s'est terminé avec 4 personnes au final. Donc ça fait 3 semaines qu'ils sont à 4. Oh, oh, oh là là. 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 Le trade. Le fucking trade. Ouh, qui sauve un peu Astro là. 5 à 3. On n'ira pas chercher 4 balles de match du coup pour l'aine. Et on va pas aller chercher ma bouffe. Hein. Les amis, il y a un moment où je vais devoir vous laisser. Genre vraiment. Et j'en suis profondément désolé. J'ai envoyé un message à Ahmed. Faut rassonner et monter. Je ne peux pas quitter mon poste de travail. Je lui ai mis. Je pense qu'il va me dire va te faire enculer frérot. Oh Lani s'en fout. Lani sort. Et il tire dans 3 champignons. Il y avait Sun père. Astro qui va prendre l'info. Attention comme tout à l'heure. Le free kill peut-être. En sécute zone, c'est possible que les deux tombent en DBNO. Oui, ils tombent tous les deux en DBNO. Et derrière, ils sont perdus dans les limbes de... C'est un Christopher Nolan, le truc. Non, le défenseur gagne toujours. S'il y a double DBNO, alors le défenseur gagne. On considère que l'attaquant n'a pas fait son boulot et que le défenseur a fait son boulot. Eh ouais. Oh, les petits pics. Allez, on va casser le drone. La petite tête. Oh, ça se joue à pas grand chose. Ça joue une petite perspective. Attention, quand on va venir se mettre dans ce coin. Si Len, il commence à ouvrir sa ligne, il aura un avantage. On passe sous les 1 minute. Et à ce petit jeu-là, malheureusement, IQ ne peut pas jouer trop longtemps. On va devoir reload. Et on va devoir aller porter ses balls. Oh là 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 là. Oh là là, trop facile.
trop facile. Et ça fait 6 à 3. 3 balles de match. Pour Len. Avec un peu de chance, je... Dans 4 minutes, les amis. 4 minutes. S'ils arrivent à faire ça, ce serait parfait. Ses parents le soutiennent pour qu'il devienne joueur e-sport, Len. Oui, il a le soutien de son père surtout. Bon, sa mère aussi, j'imagine. De Laura, oui. Faut que je mange. Je baille parce que j'ai faim. Allez, 3 balles de match pour Len, les amis. C'est ce que devra sauver Astro s'il veut rester dans la compétition. On est toujours en BO1. Celui qui perd, eh bien, s'arrête. Et comme le match a duré un peu longtemps, entre guillemets, on va avoir pas mal de... Ça va être pas mal chamboulé, ce bracket. On va commencer à voir, à mon avis, facilement qui sont les personnes en quart de finale. Les 8 joueurs, du coup. T'arrives pour le cast? Ah ouais? C'est possible d'avoir 2 specs sur une game, mais qui commande le truc? Non, c'est pas possible, toujours pas possible. Si? Il me semblait que c'était possible. Et c'est fini pour Len, j'ai même pas eu le temps! GG, well played! Pop, trop facile. Trop facile pour Len, ladies and gentlemen. Et ça fait 7 à 3 pour le Krakito. GG Astro. Mais c'en est terminé malheureusement pour lui. Len avance, Astro. Eh ben, finito malheureusement. Monstrueux. Ladies and gentlemen. Le bracket. Len face à Yui Astro, ça va être update dans très peu de temps. Ça va être bientôt update. Merci Guapos pour les 2 mois de frais de scolarité. Un monstre en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner les amis. Et voilà, cet update, Len passe, c'est confirmé et il ira jouer contre MX7. Du coup, et on aura les 6 premiers matchs. On aura les premiers matchs, du coup, on a quasiment tous les matchs, du coup, de ces quarts de finale. Et qu'on va commencer à voir, du coup. Laissez-moi juste faire un petit refresh. Ouais, bah, c'est pas génial. Ils sont un peu débiles. Ouais, c'est pas génial. À cause de ma vieille tête. Du coup, laissez tomber. Ok, bougez pas. Ok, on arrive. Zbra, bra, bra, bra. Bra, bra, bra. Je vous fais voir ça tranquillement. Si je fais un top 32, normalement, ça devrait être pas trop mal, je pense. Et il n'y aura pas ma vieille tête qui cachera grand chose. Ok. Oui. Ça devrait être pas trop mal. Voilà, comme ça, on voit bien l'écart. Voilà l'arbre final, les amis. On va avoir encore ADN face à l'Axantia. Ça va être sympa à voir ce match qui est en cours. Mais on n'ira pas le voir. Hein. On ira voir forcément l'un des matchs des quarts de finale parce qu'ils sont déjà prêts. On veut pas faire attendre non plus trop les gens. Voilà. GG Len, n'hésitez pas dans le chat. Il est là, quoi. N'hésitez pas à le remercier. Point d'exclamation. Sub, si vous voulez. Point d'exclamation charme, si vous ne l'aviez pas. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et si vous faites des dons, n'oubliez pas que ça part à la production. C'est comme un chapeau. Ça part à la prod directement. Je vais descendre pour aller récupérer la bouffe. Et puis voilà. En attendant, laissez-moi juste cliquer sur un lien.
Tac, tac, tac. J'arrive dans 2 secondes. Ok. Oh my god. Ok, ok, et ok. C'est les mecs de chez Flow Up, bien évidemment. On est obligé de les remercier. Enfin, je dis obligé de les remercier. C'est un plaisir que de les remercier. On est allé les voir, ils nous ont dit ok, pas de problème. Je vais baisser un petit peu. Je laisse ça, les amis. Est-ce qu'on peut mettre en boucle sur YouTube le temps que je revienne? Est-ce que c'est possible de louper sur YouTube? J'ai jamais loupé un truc sur YouTube, je pense. Est-ce que ça existe de loop le temps que je parte? Si, comment on fait? Clique droit sur la vidéo. Ok, lire en boucle. Ok, merci. N'hésitez pas du coup à aller voir ce qu'ils font. Et je reviens d'ici quelques secondes. Je vais chercher ma bouffe. Et après on pourra attaquer les quarts de finale. J'arrive.